Gros avantage au niveau du jeu, il arrive à imposer son jeu, il arrive à trouver les côtés et aller de l'avant. Au niveau de la partie protocolaire, bien sûr, il y a les Ibi. On aura comme quatrième arbitre cet après-midi, Ando Fetra Rakoto Johan. Je vous rappelle les 11 initiales pour le Kenya, le 13, le 13, le 13. Allez, on y va maintenant avec la composition de l'équipe mauricienne. De l'importance qu'accordent quand même ces deux pays, même s'il n'y a pas de véritable enjeu. L'enjeu, c'est la deuxième place au classement. Bien. La défense, mais là, c'est plus Emmanuel Vincent qui sera en 6. C'est parti Adèle pour ce dernier match du tournoi international amical, le Mauritius Foundations Football Series 2023, la toute première édition qui va donc prendre fin avec ce duel entre Maurice et le Kenya. Le Kenya qui joue en blanc, les Harambee Stars qui se préparent quand même pour des rendez-vous importants qui arrivent. Les éliminatoires de la CAF sont Kevin Bru qui remet dans la boîte. Il faut lui mettre apprécié. Là, vite, oui. Vincent. C'est bien joué pour Kevin Saramandif qui rate son contrôle. Le centre de ses derniers. Et qui repique dans l'axe. Et ce ballon dégagé en cornet en catastrophe par Saramandif. Le contrôle de Saramandif l'emmène. Et les codes début. Le contrôle. Allez, c'est bien. Oui, c'est la bien. Prise de balle de Kenji Saramandif qui n'était pas bien au départ. Oui, il s'est écarté là. Il les codes début adverse. Allez, on arrive à mettre mal, la pression sur cette défense kenyane. Ben, pourvu que ça dure. Kevin Bru pour frapper ce corner. Allez, Arsène Azira. Le ballon à la ligne. Donc on a l'occasion de mettre la balle dans la minute. Il est parti. Superbe reprise frontale de Azira. Le gardien kenyan. Qui se touche pour repousser le ballon, mais c'est direct dans les pieds de Kenji Saramandif. D'avoir des attaquants dans la boîte, il faut qu'il y ait les attaquants, les attaquants dans cette là. C'est indescriptible comme ambiance ici. Est-ce que vous arrivez à m'entendre là que c'est le vrai? Super. Pas, on est quelle là, ambiance. Qui vient super, ce but. Super. Et quel but. On est bien tiré. Bon coaching de la part de Phil Drazovev. Oui. Qui a opté pour Kenji Saramandif en tant que titulaire pour ce match face au Kenya. Et il lui rend la gentillesse avec ce but. Voilà, la reprise frontale d'Ashley Nazira. Oui. Le ballon qui est coupé par le gardien. Il a bien suivi Kenji Saramandif. Il a bien suivi. Il avait manqué son contrôle juste avant. Mais là, il se rattrape parfaitement. Mais là, il se rattrape. Allez, 1-0 pour Maurice. Allez, toujours discipliné, restez concentré. Toujours bien les prêts. Par là. Kevin Bru pour frapper ce coup franc, c'est en retrait pour Dylan Collard. Collard qui remonte le terrain, balle au pied, s'appuie sur Ashley Nazira, mise au sol de manière illicite selon monsieur Ben Ibrahim. Coup franc intéressant, pourquoi pas tenter de loin comme ça. C'est assez loin. Kevin Bru dans direct. Oulala, ça prenait quand même la direction. Ballon dévié. C'était cadré. Dévié pour un joueur. Belle détente de Mondi au Diambo pour repousser. Bien, il trouve Balisson. Oh non, derrière on commet trop d'erreurs, on n'arrive pas à garder la possession du ballon. Olunga, la frappe. Bien, bien. Super Kevin Jean. Super pour reprendre ce ballon en deux temps. Et quel arrêt. Quel arrêt de la part du gardien du Pampelous Sassi. Le grand, le capitaine, si on laisse tirer, il a une belle frappe lui. Hein. Ah ben c'est sûr. Faut vite le presser et faire de sorte qu'il n'arrive pas à tirer. Donc.
Premier avertissement. Que c'est bien tiré et que c'est bien repoussé également. Allez, de la part. Allez, Nazira, les grands sont là. C'est des brûlants. Nazira, le. Allez, deuxième sort. N'arrive pas. Allez, jusqu'à la tête allez, de Nazira, mais allez. On a une nouvelle chance. Allez. Poussé par le gardien, c'est décadré et ça donne troisième corner de suite pour Boris. Allez, au premier poteau, on arrive à dévier, si on arrive à dévier, déjà quelle frappe. Ouais, 10-0 au premier poteau, le ballon qui arrive, ah, attention, on revient au direct avec cette tête de... Elle devrait être pour Boris. Voilà, les supporters. Moi, je dirais on peut dire aussi aux ramasseurs de balles de ne pas se presser pour retourner les ballons. Hein. Ça se fait, ça se attention fait. Attention à Sakari. Sakari et ses longues remises en jeu. Ça va loin, hein. Ça va super loin. Allez, on défend. Oh là 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 ah, ouais. Allez, on laisse sortir. Saramandif qui a essayé de poser le ballon au sol mais qui le perd. Lindsay Rose. Il y a faute sur Lindsay Rose. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Rose qui a pris un coup. Bien, ouh, c'est long. Bien coupé partout bien. Au premier poteau. Bien, mais... Parce que derrière lui, il y avait de la présence. Avec surtout ce diable de Chouma Moseuse. Je crois que c'est l'heure qui fait du coaching pour la sélection mauricienne. Surtout les joueurs de côté, par exemple Saramandif ou Villeneuve. Et Lindsay Rose qui s'est relevé pour reprendre sa place en défense centrale. Allez. À 10 minutes de la fin. Le corner. Encore une fois, c'est plein axe. Yeah. Bien, bonne défense, selon l'arbitre. Bonne défense, c'est l'heure de tout. Moi je pense que c'est...